L'installation de défense intra-armée galactique était la fierté de la galaxie, un centre de recherche et de développement de haute technologie chargé de créer des technologies de pointe pour se défendre contre les menaces extraterrestres. Mais sous les salles et les laboratoires étincelants se cache un sombre secret, une série d'expériences terribles qui ont été menées sur des sujets sans méfiance. Les expériences ont été menées dans un laboratoire caché au plus profond de l'installation. Ils étaient supervisés par le docteur Janae, une brillante scientifique qui avait été recrutée pour son expertise en génie génétique. Elle avait été chargée de créer une nouvelle race de soldats, plus forts, plus rapides et plus résistants que tous ceux qui l'avaient précédé. Pour atteindre cet objectif, le docteur Janae et son équipe ont soumis leurs sujets de test à une série d'expériences brutales. Ils leur ont injecté des produits chimiques inconnus, les ont soumis à des radiations intenses et ont même modifié chirurgicalement leur corps pour créer de nouvelles armes plus puissantes. Les sujets étaient des prisonniers, emmenés de toute la galaxie et amenés à l'établissement sous couvert de réhabilitation. On leur avait promis une chance de rédemption, un moyen d'expier leurs crimes et de faire une différence dans la galaxie. Mais au lieu de cela, ils ont été soumis à des horreurs au-delà de leur imagination. Ils ont été transformés en créatures monstrueuses, leur corps tordu et tordu par les expériences. Ils ont été dépouillés de leur humanité, réduits à rien de plus que des armes pour la force de défense conjointe galactique. Pendant des mois, les expériences se sont poursuivies sans relâche. Les sujets ont été maintenus en isolement, leurs corps ravagés par la douleur et leurs esprits tordus par les produits chimiques et les radiations. Ils ont été expérimentés sans pitié, leur vie réduite à rien de plus que des points de données sur un écran. Mais finalement, les expériences ont commencé à mal tourner. Les sujets ont commencé à développer des capacités étranges, celles que les scientifiques ne pouvaient pas contrôler. Ils sont devenus plus forts, plus rapides et plus dangereux, jusqu'à ce qu'ils deviennent une menace pour tout le monde autour d'eux. En fin de compte, l'installation de défense intra-armée galactique a été détruite, ainsi que toutes les preuves des terribles expériences qui avaient été menées dans ces murs. Les sujets ont été libérés, mais leur vie a été à jamais bouleversée par les horreurs qu'ils avaient endurées. Et le docteur Janae, la brillante scientifique qui avait tout supervisé, a disparu dans l'ombre, son héritage à jamais entaché par les atrocités qu'elle avait commises.